Bref, tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là où aujourd'hui, on va jouer à deux petits jeux indépendants que j'ai sélectionnés par mes soins. Et avant de commencer la vidéo, je sais que c'est un truc que je fais absolument jamais, mais est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce bleu? En fait, c'est parce que je fais un test sur l'algorithme de YouTube et j'ai besoin de savoir si les pouces bleus influencent sur le nombre de vues. Ça me ferait ultra plaisir. Donc, sinon, bonne vidéo, tout le monde. C'est un jeu où on va avoir un petit rendez-vous romantique avec notre belle amie T-Rex qui est juste là. C'est une femelle T-Rex, mais tout le monde dit un T-Rex, alors elle est un peu énervée. T'inquiète pas, ma beauté, j'arrive tout de suite. Ok, on se réveille. Oui, c'est une voiture. Oh oh. Bonjour. Ça veut dire bonjour en T-Rex. Comment tu vas? Est-ce que... Ok, on peut sortir? Mec, on va pas... Ça veut dire bonne Saint-Valentin, mais on n'est pas du tout le jour de la Saint-Valentin. Ça va? Ça veut dire... Parce que, attends, j'ai super peur. Non. Ma voiture! Non, s'il te plaît! Non, c'est ma voiture préférée. Attends, oh, bonjour. Ok, ça veut dire qu'il m'aime bien. Il m'aime beaucoup. Il m'aime trop. Il m'a mangé, c'est sérieux? Mais il est tellement beau! Il est tellement magnifique, mais j'ai pas envie de terminer dans sa gueule. Ok, on va aller aux toilettes. Toilette. Restart exit. Quoi? C'est un jeu là où je peux que perdre. Attends, je suis question les buissons. Il m'aura pas. Bonjour. Tu veux que je te gratte le nez? Il y a une légende qui dit que si on bouge pas, le T-Rex ne peut pas nous voir. Ok, on court. Pourquoi on a la voiture dans de Scooby-Doo? Je suis un singe. Non, s'il te plaît. Je suis pas comestible. J'ai mangé des dragibus, je suis beaucoup trop sucré. Oh putain, mec, c'est sérieux? C'est quoi le but de ce jeu? Courez! Il y a un T-Rex! Bon, si vous le voyez pas, si vous êtes aveugle, mais... Non, ma maman, s'il vous plaît, non! Non, tu mourras pas! Hé! Chez! T'as des très belles dents, c'est qui ton dentiste? T'as allé chez le dentiste récemment, tu sens plutôt bon des dents. Vous savez quoi? Il m'a chauffé, on va le tuer. Oh non! Ah, ce jeu-là, en réalité virtuelle, il pourrait être tellement bien. J'aimerais trop monter sur le T-Rex et ça deviendrait mon meilleur ami. Et je serais trop badass comme ça, tu vois. Genre, je vais au travail sur mon T-Rex. Mais putain, mais arrête de manger, je suis pas comestible. Vous savez quoi? Cette fois-ci, on va rester dans la voiture et on va contempler les gobelets en plastique. Moi aussi, je peux faire ça. Cette belle femme T-Rex s'appelle Petrushka. Et Petrushka, elle aime pas trop que je reste dans la voiture. Pour le premier rendez-vous, c'est pas super bien. Petrushka, tu veux une place? Je crois que t'es un peu grossi, je pourrais peut-être pas te mettre là-dedans. Attends, je vais essayer de lui attraper la queue. C'est peut-être pas la meilleure phrase que j'ai dite. On peut pas lui monter dessus? Ah mec, je suis tellement con. Genre, il y aura un T-Rex dans la vraie vie. Personne ferait ça, mais moi oui. Bon, vu que ce jeu a l'air d'un peu de tourner en rond et que j'en ai un peu marre de me faire manger, je pense qu'on va passer au deuxième jeu. Deuxième jeu. Ok, alors, pour ceux qui connaissent pas ce jeu, déjà c'est normal que vous connaissez pas. C'est un jeu là où on doit mettre des serviettes sur des vieux papiers. Oh non, mais c'est quoi ce jeu? Pourquoi j'ai choisi ce jeu déjà? C'est quoi ça? Oh, qui a un boost speed. On va super vite. Non, je vais pas leur toucher la saucisse, moi c'est bon. Qu'est-ce que je peux pas m'enfuir? Non? Non, on peut sortir? Exit, bah go, on s'enfuit. Non, s'il vous plaît. Non. J'ai plus de serviette, non, désolé. Mec, c'est le pire métier du monde, j'ai tellement pas envie d'avoir ce métier. C'est quand même un métier où tu dois toucher le pénis de vieux papy. Ah, j'ai plus rien. Non, lâche-moi, je peux pas toucher la nouille. Ah, lâchez une boule, t'auras de la semoule. Lâchez-moi. Lâchez-moi, non, ne me lâchez pas. Oh mec, on est bien. Allez, c'est bon, c'est parti. Allez, ça part au four. Ah, bonjour, vous allez bien? Francis, comment tu vas? T'es magnifique. Non, c'est bon, calme-toi, Francis. Bon, je suis mort. En fait, j'avais pas capté, mais en fait, on a une réserve de serviettes et je savais pas. Bonjour, voulez-vous une serviette? Ah, une petite serviette? Ah, je te claque le cul. Ah putain, mec, c'est n'importe quoi ce jeu. Allez, c'est parti, ça part au four, ça part en chouquette. Oh, ouf. Fabrice, une serviette? Ah, prends une petite serviette, Fabrice. Pour toi aussi, Roger, Eduardo, tous une petite serviette, bien évidemment. Ouais, mais il sort d'où, lui? Eh, mais j'ai jamais une serviette trois fois. Vous ressemblez tous, vous avez aucune originalité. Ce jeu me fait questionner sur ma sexualité. J'adore les vieux bébés. Non, pas vous. Arrêtez, ça me stresse, arrêtez de me regarder, non. Ah oui, tu veux une serviette? Ah oui, prends une serviette, une grosse serviette. Toi aussi. Wouh, ça claque le cul. Allez, c'est ma tour de serviette, tout le monde. Ok, j'ai 10 serviettes de plus. Un pour toi. Mec, en vrai, c'est un jeu d'horreur, c'est horrible, j'ai super peur. Oh mec, là ça claque. Oh, j'aime quand ça clique. J'aime le piment d'Espelette. Oh mec, c'est combien? Mec, c'est l'armée des vieux papis. Ils ont un congrès et tout, et ils viennent ici tous les dimanches. Et le pire, c'est que je suis sous-payé pour ce métier. En fait, je suis même pas payé. Non, s'il vous plaît. Oh, Géraldo, non, s'il te plaît, entre nous et le petit. Oh putain. Bah voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé ces deux petits jeux indépendants qui étaient vraiment très cool, mais très courts les deux. Passez une très bonne journée tout le monde, à plus mon Rayton, et ciao.